Rebecca, un café sans sucre. Et dépêche-toi, hein, je n'ai pas que ça à faire, hein. Je te l'ai dit des milliers et des milliers de fois, ok? Mais je sais que je suis beau, ok? C'est bon. Savez-vous que le frimeur est l'espèce la plus étudiée par les plus grands chercheurs? Attends, tu m'étonnes que ça les intrigue. Il y en a de plus en plus. Même moi, une fois, j'ai voulu me la jouer. Mais ça marche pas comme eux. Eux, ils ont toutes les personnes à leurs pieds. Il y a qu'à voir leur compte Facebook. Excuse-moi, comment ça se fait que j'ai à peine 5 amis sur Facebook? Et encore, je suis pas sûr de connaître tout le monde. Et toi, t'en as 2000? 2932 plus précisément, et je connais chaque personne de cette liste. Ah ouais, et le Michael Jackson dans ta liste, tu le connais aussi, j'imagine. Ah bah ouais, carrément. Il y a un truc qui me démoralise aussi, c'est quand je vois sur leur page. Le frimeur est passé de célibataire à couple. 18 heures plus tard, le frimeur est passé de couple à célibataire. 4 minutes plus tard, le frimeur est passé de célibataire à couple. Et rebelote. Mais j'en suis sûr, hein, c'est grâce à leur photo de profil. Eux, il n'y a aucun bouton qui dépasse. J'y crois pas comment je suis beau. Alors que moi. Putain, je galère, hein. Faut pas oublier aussi, c'est que le frimeur n'est pas puceau. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, tu ne verras jamais un frimeur te dire I am virgin. Non, 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 le type il a trop de fierté pour t'avouer ce genre de choses. À part dans certains cas, ça peut être une technique de drague aussi. Tu sais, c'est du genre, j'ai trouvé des points communs avec elle, je vais dans son sens à elle. Salut, jeune pucelle. C'est une belle pucelle, bien sûr. Ouais, il faut que je te le dise avant qu'on aille plus loin. Je n'ai jamais vraiment. Avec un gars. Oh ouais. Eh bien, puisqu'on y est, je dois t'avouer que moi aussi je n'ai pas, on va dire, goûté au plaisir de la vie. Quelle coïncidence, ne trouves-tu pas? Bon, on baise? Non, parce que j'ai encore une liste de filles à aller voir, hein. Tu es de loin la meilleure. Mais attends, c'est quoi le délire? En tant que frimeur, donc beau gosse, je peux te dire qu'on ne drague jamais. On n'attaque jamais notre proie. C'est la proie qui vient à nous. Et même que des fois, on en a trois pour le prix d'une. Ils sont vachement rentables. Mais ce qu'ils aiment le plus faire, c'est se foutre de la gueule des autres. C'est connu. Mais après, pour régler les problèmes que ces critiques ont provoqués, alors là, c'est une carpette. Il ne sait pas se battre. Le frimeur ne sait pas se battre. Ce mot n'est pas dans son vocabulaire. Mais il tient sa réputation, le gars, quand même. Alors il la joue, on va dire, cause de rien. Waouh! Mais je saigne! Oh, c'est génial! Eh, bonne expérience, mec, hein, merci, franchement. Eh, moi sur Facebook en entrant, hein. Quoi? Non, 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 il me montrait la dernière action du dernier match de Mike Tyson. Eh, génial. Bon imitateur, le mec, et tout. Ouais, non, mais ça, c'est rien, c'est du faux sang. Vas-y, tiens, ta touche, tu as. Mais dans la bouche, c'est de la framboise. T'as remarqué qu'ils ont un physique bien à eux aussi. Déjà, ils sont toujours coiffés. Tu le remarques direct à la piscine. C'est le seul gars que quand il ressort de l'eau, il ressemble pas à Triso comme nous, avec les cheveux tout attachés et qui dépassent un peu des oreilles. Ce qui fait assez con aussi. Non, lui, à croire qu'il se fait un brushing sous l'eau avant de sortir. Ensuite, ils ont des regards. De dur, tu sais. Qui s'apprennent pas en une minute, hein, non. Par exemple, le regard de séducteur, que si toi tu le fais, t'as l'air d'un con. Stop! Frimeur et leur grande gueule. Non mais c'est vrai quoi, il y en a trop. Faut arrêter. De toute manière, vous, frimeur, vous n'avez pas ce que nous, nous avons. Nous, on est puceau. Si toi aussi t'en as marre de te faire rouler dessus par des gens qui se la pètent, eh bien va sur mon Facebook, Michael Distop. Y'a des photos de ma voisine à poil, c'est du genre Bernadette Chirac avec un peu plus de poils et tout.